J'ai... Ouais, il repop juste devant moi, au secours. C'est vraiment la guerre, hein. C'est pas pour les tafiotes. Ok, je commence à souffrir là. Soin. Ensuite, on reprend notre épée et on retourne. Et on y retourne. Parce que c'est marrant de se frotter à lui. Ah ouais, ça c'est chiant quand même, hein. Ils ont... Lydia est à terre. Putain. On s'écarte de Lydia. Parce que tu risques de la tuer. Non, je risque de la tuer. Il n'y a que moi qui peux tuer. Ah, il y a une putain de montre qui sonne et je sais pas comment l'arrêter parce que c'est pas la mienne. Allez. 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 Putain. Mourez tous. J'en ai marre. Que mon feu s'abatte. J'en ai marre. Que mes flammes infernales vous achèvent. Ah, Kamehameha du feu. Je suis l'entité suprême. Ah, c'est n'importe quoi ce truc, c'est génial. Destruction augmente. Bien sûr, je touche 10 ennemis en même temps, rien qu'avec ça. C'est génial. Alors, déjà, je reprends légèrement mes esprits, hein. Parce que oui, il le faut. Voilà. Oups. Ya. Mourez tous. Voilà. Ça fait quand même beaucoup d'ennemis là encore. C'est pas grave. Mourez tous. J'ai tué Lydia. Encore. Bon, au moins j'ai fait une sauvegarde intérieure. Oh merde. Attendez. C'est quoi ce délire? Avance! Je peux pas être trop lourd. Ah voilà. C'était un bug, hein. J'étais ni trop lourd. Ni. Faisant une fausse touche. Allez. Allez. Attaque. Voilà. Esquive. Voilà. Oh non. C'est des sombrages. Faut que je fasse attention quand même. C'est... Alors, lui s'en est pas. Hein. Faut reconnaître parce qu'il a beaucoup de flèches sur lui. Alors, où sont... Ah, voilà. Bon. Tiens. J'ai une idée. Rien pour le fun. Alors, potion... Ah, ah. Bâton de boule de feu. Et bâton d'éclair foudre. Ah.
Oups. Désolé. C'est que c'est vraiment puissant ces trucs. Hein. Ah. Yeeha, j'adore ce bouton. Oula. Je fais vraiment très mal moi. Ok. T'aurais pas dû. Bon, je vais quand même bientôt me crever. Un peu de potion. Wouah. Et voilà. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien de se battre quand même. Libérer la crevasse. Tiens, il reste un ennemi. Où ça? Ha! Les ennemis qui essayent de s'enfuir comme des lâches. Si mon jeu voudrait bien arrêter de laguer. Venez donc! Hop, on ne s'enfuit pas. Tiens, je me demande combien j'ai de flèches depuis le temps. À force d'en ramasser et de ne jamais les utiliser. 293. Bon. Et eh ben, j'allais informer le fric sombrage de notre victoire. Ah, ah, ah. Bon. Ouais. Ouais, je pense que je vais pouvoir faire la mission pour la maison. Surtout qu'en plus c'est un bug pour garder de l'argent. Il faut avoir de la chance parce qu'il faut utiliser un certain contexte pour pouvoir l'utiliser. Bon. Ouais, ouais, le héros le plus célèbre de type pour de ces teams subtil qui construit tout à l'heure, rien à foutre. Ouais. Standard, le dieu de la justice, de la force, la tolérance et de la miséricorde, un tel lieu est consacré dans le temple des divins à solitude. Et il faudrait que je vois. Qu'est-ce que je gagne au niveau 60 d'épée? Ce serait parce que j'ai le level up en épée là. Au niveau 60, une barre symbolique. Ça me donne pourquoi? Parce que tous les 10, je débloque quelque chose. Possible de parer les attaques avec un bouclier. Oui, non. Bon. C'est quoi ça dire? Non, ce n'est rien. Ouais, qu'est-ce que je dois faire? Et nous revoilà. C'était un problème qui est parti. Alors, voyons nos fameuses compétences. Ah, j'ai utilisé le point parce que moi j'aime bien utiliser le point directement. J'ai pas... Ouh, 60% de dégâts supplémentaires. Ouh, ça va faire mal. Non. Qu'est-ce que c'est? Des dragons? C'est pour des dragons? Non, parce que normalement, s'il y a une musique d'ambiance qui te dit qu'il y a un ennemi, c'est qu'il y a... et qu'on est en pleine ville, c'est qu'il y a un dragon. Donc, je sais pas. Est-ce que ça... Ah non, ça allait pas. Pas de bol. Maintenant que l'Empire a été chassé de la crevasse, nous pouvons mettre un terme au viol de ces mines d'argent. Cet argent appartient à Bordeciel. Vous avez enterré nos ennemis par milliers dans une avalanche de douleurs et de représailles. Je vous appellerai Marteau de Glace. Marteau de Glace préfère Brissos. Pour la bataille. Et de la compassion pour ceux que nous défendons. Vous devenez indispensable à notre cause. Nous agissons par amour de nos frères et sœurs.
Tenez, prenez ceci en gage de notre amour réciproque. Bouclier elfique. Et maintenant? Nous avons besoin de vous à Yalmarch. Il y a beaucoup à faire. Ah, compris. Pour bord de ciel. Alors, où est-ce que je vais? Oh, mais c'est qu'on se rapproche de solitude, hein? Non? Non. Pas un bouclier elfique. Bon, bah, je vais rééquiper les diens, hein, parce que... Ouais, il est temps de vendre mon merdier. Il est grand temps, même, de vendre mon merdier. Voilà. Les dieux vous ont donné deux mains et vous les utilisez toutes les deux pour manier votre arme. Allez, go 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 go, wep wep wep. Donc si je regarde, ouais c'est ça la quête s'est activée. Disons qu'il y a un meurtrier au sein de bord de si de la ville de Vendôme. Ouh. Et seul peu de personnes. Ah merde. C'est génial de travailler à Vendôme. On dirait que vous admirez le fric, n'est-ce pas? Tous les Nordiques devraient être en admiration devant le fric. Il se bat pour nous tous. En fait, c'est à cause de lui que j'ai choisi le travail des métaux. Je veux fabriquer des armes et des armures pour la grande armée des sombrages. Vous avez une bonne pitié? Forger n'est pas ce que je trouve de plus excitant. Mais nous devons tous participer à l'effort de guerre. Si un sombrage tue un impérial avec l'une de mes épées, alors j'ai participé à la libération de notre pays. Un petit conseil, n'achetez pas d'armure au rabais. Vous avez besoin. Alors, de votre acier de bonne qualité. Vous ne trouverez pas mieux aiguisé à Blanchefeuille. Je respecte Eorlund. Et il a la chance de travailler dans la Forge Ciel. Leur acier tient beaucoup mieux. Ça doit être les fours. Je ne sais pas si ça a du sens. Est-ce que les affaires sont bonnes pour vous avec la guerre? Je ne vois pas ces difficultés comme des affaires. C'est une question d'honneur. Pour donner à Ulfric la gloire qu'il mérite, je forgerai un millier de boucliers. Par Chor, je vais peut-être vraiment devoir le faire. D'accord. Vous avez besoin d'une arme. Bon, alors, comme il fait nuit, on va attendre. Trésor. C'est bon. Ben, dormons. Ah, on va bientôt soigner. Ok. J'ai bien dormi. Encore une heure pour que le PNJ soit là. De travailler à Vendôme. Je peux voir Ulfric de près. Les gens disent qu'est Orlou. Et voilà. C'est vous le forgeron du château? Évidemment, j'ai l'air d'une femme de chambre, peut-être. Ah, ne faites pas attention à ce que je dis. J'ai passé trop de temps à la forge. J'essaie de terminer cette épée. Ah, et que la prochaine fois, faites attention à ce que vous dites. C'est buveur de lait, tous des ingrats. Ah, en fait, ça va libérer une quête, hein. C'est une quête secondaire. J'ai pas envie de faire des quêtes secondaires, moi. Je veux faire le jeu dans son ensemble, la vraie. Épée d'Oumer, rien à foutre, on vend. Je vais essayer de le désenchanter si possible. D'accord. Car mon arc. Pas ça. Tenue. Botte de fourrure. Bon. Bouclier d'escramin. Bouclier elfique. On va vendre ça. 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 Ça, je risque pas le vendre, donc on le vend. Ça aussi, et ça, aucune dans tes rêves que je le vends. Ça, je le vends. Non. Et hop, activé. Allez. Bon, c'est vrai, c'est chiant, mais au moins ça fait augmenter mon éloquence. Et à partir de 5,
ou 6. On peut les vendre. Rien qu'en appelant ça toucheux. Voilà. Non, alors, je vais les changer. Pareil. Non, je vais le vendre. Et ça aussi. C'est plus rentable. Vous ayez besoin d'une armée. Parce que j'ai essayé de le transformer en cuir, puis ensuite en lingette. Je sais pas. Ouais. C'est parti. Pop, 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 pop. Ok, l'interface est débuguée avec la souris. Il faut savoir que les minerais de fer sont beaucoup plus chers que les minerais que le fer. Les lingots sont plus chers que les minerais. Ce qui est logique puisque c'est fondu. Ouais. Eh, ça valait 100 quand je l'ai pris. Merde, j'ai pas le casque qui permet d'avoir une meilleure vente. Alors, rien à foutre, je t'achète. Alors, tenue non à arme. Fraison arme driver. T'as pas mieux. Ouais. Ce que je pensais. Alors bon bah je rachète mon arme, mon arc Dwemer. Ça c'est con. Bon, c'est resté. Ah, c'est cool. Bon, Voutrad, il ne veut pas que je la vende. Ok, peut-être même l'utiliser en je sais pas. Épée de lame. Ah, si j'augmentais. Oui, j'adore les katanas. Bon, et puis merde, je vais le vendre. Hein. Si. Ça, il faut que je trouve un mage. Quoique bâton de boule de feu. Putain, mais c'est pété. Inflige 40 pou... Inflige... Alors, une violente explosion de 40 points de dégâts dans un rayon de 5 mètres. Les cibles sans flamme. Mais c'est pété. Ça, je veux bien le vendre. C'est pas pété. Ça, c'est pas pété. Ça, c'est pété. Faudrait que je rééquipe Lydia. Envoyez-les-moi. Je suis sur vos talons. Alors, il faudrait qu'on échange certaines choses avec vous. Quelles sont tes armes? Alors, qu'est-ce que tu as? Un arc. Clé des os, une épée d'acier, une hache. Hache de blancherie. Alors, On va voir si je peux pas te faire échanger certaines choses. Voyons voir. Fer. Ouais. C'est génial de travailler. Alors, toi, tu reviens. Merci. Alors, arme uniquement, ça m'aidait. Dague, espadon. Puis d'acide ou de merde. Ouais, merde. Lydia, je suis derrière vous. Il faut qu'on échange certaines choses. Alors, tu me rends ça. Et moi, je te donne... C'est vrai. Passez devant, je vous suis. Lydia. Alors, les objets. Armes. Lâcher. Tenue. Lâche. Je suis sur vos talons. Alors, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. De quoi s'agit-il? Il vous faut quelque chose? Tant. Rare
Alors, tu vas prendre ça. Et où est cette putain d'épée de lame? Voilà. Tu prends. Autre chose? Excusez-moi pour le déranger. Pourquoi tu te sers pas de ton bouclier? Je suis derrière vous. J'ai juré de porter vos... Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu te sers pas du bouclier? Armure. Et t'as... T'as une... T'as un bouclier pété, pourquoi tu t'en sers pas? Merde, qu'est-ce qui va pas chez elle? Bon. Bon, alors, allons ensuite aux occasions de Sadri. Ouais, je sais, c'est la phase vente ultra chiant, je sais. Mais bon, c'est un RPG. Citez-moi un RPG qui vous oblige pas à faire ça. Franchement. Celui qui me dit qu'il connaît un vrai RPG, je dis bien vrai, hein, reconnu et tout, hein, où il n'y a pas ce système... je lui dis chapeau, hein. Mais bien de façon... Jeter un œil. Alors, arme. Je vais vendre ça. Ça, je vais le garder parce que c'est pété. Ah, je te blanche rive. Ouais. Ouais, je voudrais. Ah, elle voudra de... Je vais attendre encore un peu si je fais la vendre. Hein, parce que... Putain, elle est pétée, hein. Alors, on m'a rien à foutre. Merde, j'ai oublié cette amulette. Faudra que je la désenchante. Si tu veux bien arrêter de laguer. Pourquoi ça tourne à un PS là? Arrête. Ok. Oui, je sais, c'est lagant. Ah, bug pas.